Eh bien, salut à tous, c'est Corus85, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 3. Ça y est, je l'ai enfin, j'ai enfin ce jeu. J'ai mis un peu de temps à l'avoir, mais ça fait du bien de l'avoir. Et comme je l'ai vu, je vous fais une petite intro, parce qu'en fait, tout simplement, ça c'est un mode drone en fait qu'on peut avoir. Hop, est-ce que je peux afficher l'UHD? D'accord, ils veulent pas. Donc c'est un mode drone en fait, vous pouvez vous balader partout sur la map avec. Si vous voulez, même quand on est en ligne, il est utilisable, donc pour suivre vos potes qui font du drift ou autre, c'est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Au passage, vous avez remarqué le petit livret que j'ai créé, Player2FR, avec, c'est marqué, attends, wow, attendez, hop, il y a une petite adresse en dessous de la plaque, elle est également ici. Enfin bref, si vous la voulez, pour la BMM4, c'est dans ma vitrine, je pense que vous taperez mon gamertag, Corus85, et vous pourrez l'avoir si des fois ça vous intéresse. Et de même, pareil que... Ah bah le HD il était là. De même que je fais aussi ma promo sur le social club ici, Player2FR, donc pour l'instant on est que deux, mais il y a du monde qui va arriver normalement. Si vous voulez nous rejoindre, Player2FR, voilà, c'est comme ça, c'est histoire que si vous voulez venir avec nous. Je regarde vite fait mes centres de messages, c'est le Drivatar, ok. Je verrai ça après. Donc alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? J'avais dit dans la vidéo de la semaine dernière qu'on va peut-être jouer en ligne avec des potes ou autre, mais bon, ça sera pour une prochaine fois, je pense. Donc, ce qu'on va faire, on va aller faire quelques courses, et j'ai vu qu'il y avait une rumeur de grange, hop, ici. Donc on va aller directement à la rumeur de grange, comme ça vous permettra un peu de voir les paysages à la même occasion. Je pense que je vais couper la musique, parce que comme vous l'avez entendu au début, surtout que j'utilise... en fait, le truc qui est cool, c'est que, regardez, il y a Groove Music, et c'est... Microsoft, voilà, c'est le. Oh, j'ai du mal à parler. C'est le service de musique de Microsoft et il nous offre 2 semaines de gratuitement en fait avec le jeu. Donc histoire de se mettre dans l'ambiance quoi, avec nos musiques qu'on aime bien. Bon, moi c'est du Daft Punk, hein, c'est pour ça que j'ai peut-être reconnu pour ceux qui ont pas reconnu. Donc j'ai pas envie d'avoir trop de problèmes avec les droits d'auteur. Déjà, j'espère que ça s'est pas trop entendu. J'ai déjà pas avoir trop de problèmes avec la petite intro. Bref. J'espère que je vais pas avoir de soucis, on verra bien. Donc regardez ce jeu, il est magnifique. Et bon, en plus moi qui adore la BMM4, je me suis fait plaisir avec un petit kit large, ainsi que je me suis amusé un peu à créer une peinture personnalisée Player2FR. C'est assez sympa, c'est vraiment sympa. Il est vraiment plus libre pour ceux qui connaissent pas, qu'ils ont connu que Forza Horizon 2 par exemple. Il est largement plus libre que Forza Horizon 2. C'est hallucinant, là, je peux couper comme je veux. Bon là je vais pas le faire parce que c'est pas vraiment une voiture adaptée pour le off-road. C'est vraiment, ce jeu il est magnifique. Je crois qu'il est plus beau même la nuit que le jour. Hein. Pour dire, oh, on aura peut-être une phase de nuit. Qu'est-ce qu'il fait lui? Drivatar, je sais pas ce qu'il faisait. Donc on va aller voir ça. En même temps on se fait des petits points de prouesse, tant qu'à faire, hein, super frôlement et tout. Pourtant, ouais, 295 km/h, hein, on trace. Donc il faut s'en souvenir, bon ça y est, je commence à m'y habituer. Pour ceux qui n'ont pas vu, faut rouler à gauche, hein, on est en Australie, donc les gens roulent à gauche là-bas. Donc il faut s'en souvenir. Sinon, question drift, moi je suis servi, les voitures ils driftent assez bien. Je sais pas si... Ouais, non, ça c'était vraiment nul. C'était très nul même. C'était très très nul. Bon, peut-être parce que je vais légèrement trop de vitesse. Bon, attendez, il fallait passer par là. Pour vous dire, on va peut-être pouvoir s'amuser un peu plus sur le drift. Ouais, là c'est mieux. Ouh, bon, des fois il y a encore un peu de... Faut s'y habituer, hein. J'ai beaucoup de dire comme quoi je suis habitué à rouler à gauche. Des fois c'est pas trop ça. C'est pas tellement ça. Donc on va aller se faire ces petites rumeurs de grange. Il y a des bonnes voitures dans la grange. Point de prouesse gagné. Waouh! Ça cause de Simon là! Simon, dégage! donc la rumeur de grange doit être à peu près. Je vois à peu près l'endroit où ce qu'elle est.
enfin je veux dire la région, d'après ce qu'on a vu sur la carte, c'est un endroit assez sympa. Par contre, il faut mieux avoir un véhicule off-road pour y aller, mais bon, comme je dis, c'est pas vraiment adapté. Mais c'est pas grave. Oula, attends, c'est quoi ce bordel? Hop, poussez-vous les gens. Donc alors, dans ce Forza Horizon 3, nous sommes le gérant du festival cette fois-ci. Pour ceux qui ont l'habitude de connaître, dans le premier, il fallait se faire une place. Le deuxième aussi, je crois, il me semble qu'il fallait se faire une place. Et là, c'est un peu le contraire, en fait. Du coup, c'est nous qui gérons le festival. Donc, comme vous pouvez le voir ici, hop, j'ai un festival qui s'est ouvert ici. C'était mon deuxième choix. Et j'ai mon premier choix que j'ai fait, c'est le Outback, comme ils disent. Et il faut faire monter les niveaux des festivals. Je vais voir, c'est le festival de niveau 5. C'est le maximum qu'on peut atteindre. Moi, là, le truc que je vais faire, c'est que, regardez, j'ai à peu près tout fait. Enfin, à peu près, hein. Pas tous, mais... je vais terminer tout ce qui est vert pour pouvoir attaquer ce festival là que j'ai fait aucune course il me semble là dedans. Donc je me donne comme objectif de finir le vert en fait avant de commencer un autre festival. Ce serait mieux. Donc alors là on peut voir juste pour la vue, c'est pas dégueulasse. C'est vraiment pas dégueulasse du tout. Il y a des beaux paysages hein, franchement. Il est vraiment vraiment beau ce jeu. Il n'y a pas à dire. Et quand il pleut, c'est encore plus beau. Et la nuit, c'est magnifique aussi. Donc alors, il va falloir trouver la grange. Je sais pas si je l'ai pas déjà trouvé. Ouais. Ça a pas l'air d'être difficile cette grange. Non, c'est pas celle-là. C'est là. Oui, c'est là. Bon, bah, c'était pas très difficile. Hein. Donc alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Un petit temps de chargement. Voilà. Allez, impressionne-moi. Oh! Un petit buggy. Cool, un buggy. C'est un meilleur Smanx. Je rêvais d'un quand j'étais gamin. Enfin, je voulais plutôt une Lamborghini Countach, mais j'ai réalisé que ce serait compliqué pour aller sur la plage. Tu penses? Yeah, c'est cool ça. Bon, on aura un petit buggy en plus. Ouais, un petit buggy. Ah, la nuit tombe. La nuit tombe. Ce qu'on va aller faire, on va aller continuer les épreuves du festival. Comme je vous l'ai dit, les couleurs vertes. Et on va aller voir ça. Il ne peut m'en rester énormément. Il n'y a qu'une seule épreuve. Et après, c'est deux coups de pub. Donc en général, c'est des zones de drift. Ou là, c'est sûrement une zone de drift vu le circuit là qu'on voit. Ici, c'est peut-être un radar. Enfin, faut voir, faut aller voir. Parce qu'après, il me semble que je l'ai pas. Bon, il y a juste ça, les championnats, il faudrait que je les fasse, mais. Ah, j'en ai un nouveau là, ici. Ah non, c'est un championnat, je l'ai fait en fait. On peut voir, exhibition, il est en or, donc ça veut dire que j'ai déjà fait. Mais c'est le championnat qui est disponible. Mais les championnats, pour l'instant, c'est pas trop. Ça m'intéresse pas, je vais pas faire non plus le gros objectif. Donc, on va laisser faire la course en fait, et ensuite, on ira se faire les coups de pub. Ensuite on verra, on avisera, enfin j'aviserai comment finir la vidéo, pour savoir que combien de temps il me reste justement. Ça va durer trop longtemps. La nuit commence à tomber, ça c'est cool. Je pourrais faire voir. Bon, j'espère qu'on va voir un peu parce que. C'est vrai que des fois sur les vidéos YouTube ça noircit un peu le truc. Enfin, j'essaye de voir si des fois au montage je peux pas augmenter la luminosité parce que c'est fort possible que vous allez rien voir. Faudrait que je voie ça au montage. Wow, ça m'a surpris. Tant pis, moi je prends pas le truc, le rond-point. Même si ça m'a permis de faire un petit drift tout autour du rond-point pour m'amuser. Mais bon. Je regarde mes points de prouesse, j'ai vu que j'en ai gagné un tout à l'heure. Hop, progression. Point de prouesse, donc j'en ai 4. 3 plutôt. Pff, le mec il sait même pas, il regarde même pas. 20% de bonus. On va faire ça. De toute façon, il faudra tous les débloquer, donc c'est pour ça que je les fais par palier. Il n'en sera plus que celui-là, après on attaquera les autres. Ça, c'est le plus intéressant pour gagner des crédits instantanément ou de l'XP instantanément ou un nouveau tirage. Parce qu'il y a un tirage, comme vous pouvez le voir ici. À chaque fois qu'on passe un niveau, il y a un tirage et on peut gagner soit une somme, soit une voiture. Une fois, c'est des sommes dérisoires. Hein. C'est un peu comme ceux qui ont l'habitude des Forza depuis Forza Horizon 2. Il y a des tirages, vous savez de quoi je parle. Parce qu'il me semble dans Forza Horizon 1, il n'y avait pas de tirage. Il ne me semble pas. À confirmer si des fois il y en a qui sont en train d'y jouer en ce moment, ils me le disent.
mais il me semble qu'il n'y avait pas de tirage. C'est à partir de Forza Horizon 2 qu'ils ont instauré le tirage. Sur Forza 6, il y a aussi. Et ça, c'est assez cool parce que des fois, on peut gagner vraiment des grosses voitures sans dépenser, quoi, tout simplement. C'est un côté assez cool. Scusate. Et un petit drift. Wow. Quand j'ai vu la voiture arriver, j'ai flippé un peu. Voilà, ça c'est mieux. Ouais, pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos de Forza 6 en drift, là ça change un peu, là c'est pas vraiment du drift. Bon, j'essaye d'en faire un minimum parce que moi j'adore le drift, en plus avec la BMW 4, c'est prodigieux. C'est énorme de drifter avec la BMW 4, elle drift toute seule la caisse. C'est une de mes voitures préférées pour drifter, honnêtement. Après il y en a d'autres, hein, mais là franchement, c'est la voiture que laquelle je roule le plus dans Forza Horizon 3 pour l'instant. On verra par la suite si des fois je gagne une autre grosse voiture, on sait jamais. Hein. Mais c'est pas vraiment une grosse voiture ça, mais je dirais, si des fois je gagne une grosse voiture. Oula, j'ai un petit ralentissement. Un petit freeze. Je me demandais si je coupe pas. Mais comme c'est pas une voiture très adaptée, histoire de vous faire voir quoi. Allez, c'est parti. Wow, bon, celui-là il se pète. C'est cool. Ah bah là tu vas calculer l'itinéraire, ma pauvre. Wow, histoire de vous dire, vous voyez, on peut vraiment couper comme on veut quoi. C'est bon, il y a certains endroits que c'est pas coupable. Ça, regardez, comme là il y a des barrières de sécurité, j'aurais pas pu retourner sur la route. Bon, ça c'est un arbre. Voilà, donc la plupart du temps on peut vraiment couper comme on veut quoi. Il y a très 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 peu d'obstacles et ça c'est assez cool. Oh là là. Voilà, par contre les arbres, il y a certains qui se pètent pas. Il y en a qui se pètent. C'est celui que je vais rentrer dedans normalement. Hop. J'avais raison. Ah. La Maserati qu'on a trouvée est une Assist GCS et elle est prête. Ramène-toi. Ah d'accord. J'ai vu qu'il y avait un. Bon, j'ai fait un autre trésor de grange avec les Maserati. Je regarde le panneau. Hop, voilà. Comme ça, le voyage instantané se coûte moins cher. Ça c'est un peu comme dans tous les Forza Horizon, il y a des panneaux à détruire. Donc. Alors, on va faire ça en exhibition, s'il te plaît. On va prendre ça. Voilà, avec le petit buggy que j'ai gagné. Il me semble, oui, je l'ai gagné, oui. C'est un buggy qui vous offre... on a le choix avec plusieurs buggy. Moi, j'ai choisi celui-là parce que je trouve plus esthétiquement plus mieux, en fait. Parce que c'est pas le plus rapide. Bref. Après, je me suis mis un petit livret... Monster et tout. Bon, ça c'est moi hein, après. Hein. Donc alors. Attention. Et là, il n'y a pas de 3-2-1. Ça m'a fait bizarre en fait. Il n'y a pas de 3-2-1. Ah, c'est classe, sérieusement. C'est vraiment classe. Donc alors, on part sur le off-road. Il va falloir aller dépasser tout ça, ils ont pas l'air d'être commodes. Allez, poussez-vous! Poussez-moi! Hop! Pousse-toi! Ça, on a tous la même voiture. C'est bien ça. On a tous la même voiture parce que des fois on peut concourir contre des voitures qui sont beaucoup plus rapides que nous. Oh, ce petit dépassement! Yeah, bon, nickel, je suis le premier. On a plus qu'à garder la place. Wouh! Haha! Ah, j'ai réussi à. Bon, c'est pas vraiment du drift, mais. À prendre le virage assez. De manière dérapage contrôlé. Attention les arbres. Ah, je savais qu'il y en avait un. Bon, attendez. On va tricher un peu. On va faire du rembobinage. Voilà, on va prendre un peu plus large. Nickel. Ça c'est nickel. Voilà, il n'y aurait pas les checkpoints que j'aurais coupé
assez comme un porc, comme on dit. J'aurais bien coupé comme il faut. Mais tant pis. Wow! Allez! Yeah, bon, c'est bon. On commence à prendre une avance. On est bon, on est bon. C'est pas mal de passer à vitesse, ouais. Wow, j'ai senti venir. Bon, allez, pas de rembobinage pour ça. Je suis pas vraiment beaucoup, beaucoup planté. Donc, ça devrait le faire. Alors, on a commencé la course, on avait les phares allumés, il me semble. Qu'est-ce qui se passe? C'est en fait le jour se lève, en fait. Alors qu'on était sur le point d'avoir un jour qui se couchait. Ok, non, mais c'est pas grave. Hein. Après, chaque course est conditionnée de qu'elle soit comme telle comme. Comment dire, qu'elle soit programmée comme elle est. C'est-à-dire que si c'est le coucher du soleil à la course, ça peut être le matin quand vous lancez la course, ça sera le coucher du soleil. Eh ben voilà! Petite course premier! Ça fait plaisir! Nickel! Et ben voilà! Allez, alors qu'est-ce qu'on a gagné? J'espère que j'ai passé un niveau. Ah, un petit succès, ça fait toujours plaisir. Le goût des autres. C'est quoi? Ça a terminé l'exhibition personnalisée d'un autre joueur. Ah, d'accord, c'était quelqu'un qui l'avait créé la course. Ah, j'avais même pas vu. J'avais pas vu. En XP, hop. Bah, yeah! Niveau de supérieur! On aura le droit d'avoir un petit wolf. Oh, une Ferry 450 GTB. S'il te plaît, fais-moi la gagner. Fais-moi la gagner. Non! Trop bas, 35 000, on va pas se plaindre. Hein. Mais bon. Fais-moi la gagner, j'ai conscience, ce n'est pas français. Hein. C'est pour ça que ça m'a fait marrer. Donc alors maintenant, on va aller faire les petits coups de pub. Et vu le temps qui nous reste à peu près, de ce que je vois... Ce pilote fait beaucoup parler de lui. Ça pourrait valoir le coup de l'engager dans ta sélection. C'est qui est. Wow, il est tout en... Ça, c'est les pilotes Drivatar qu'on peut en... qu'on fait une course contre eux. Et une fois qu'on a fait la course contre eux, on peut les engager pour le festival pour qu'ils nous rapportent plus de fans. C'est sympa. Donc alors, donc ça c'était bien un radar d'après ce que j'ai vu. Ici ça doit être une zone de drift, je suis quasiment sûr. Et le problème c'est que je voudrais bien changer de voiture du coup. Ouais. Bon, la zone de drift sera pas parfaite. Hein. Parce que du coup, pour changer de voiture, il faudrait que j'aille à un festival parce que on peut peut-être accéder au salon auto. Mes voitures, est-ce qu'on peut changer d'ici? On peut changer d'ici? Monter dans la voiture. Wouah, 10 000 crédits! Bon, allez, c'est pas grave. Tant pis, c'est pour la vidéo. Ok, donc on peut se faire livrer sa voiture. Ça, là, je viens de l'apprendre avec vous. On peut se faire livrer notre voiture, mais moyennant de l'argent. Donc, 10 000 crédits, ça fait un peu mal. Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la vidéo. Du coup, ils m'ont supprimé mon point, ces enfoirés. Hop. Faites demi-tour. S'il te plaît. Et c'est de l'autre sens. Ok. Allez. Wow! Je peux pas regarder où ce que tu vas! C'est lui qui fait demi-tour, celui qui gueule. Ça va bien! Donc, on va aller se faire ces deux petits coups de pub. Et je pense que, vu l'avancement de la vidéo, le temps que. Ça sera les deux derniers trucs avant qu'on se quitte. Ensuite, je pense que la semaine prochaine, je pense qu'on tournera sur Forza 6. Je sais pas. Enfin, je verrai bien. À moins que je peux exporter le. Pour certains véhicules, je peux peut-être exporter le drift en fait avec sur Forza Horizon 3, on verra bien. Wow, voilà, c'était nul. À 400 mètres, c'était très nul. Prenez le virage serré à gauche. Ah, virage serré à gauche. Prenez le virage serré à gauche. Mince, j'ai cru que j'étais en deuxième. Du coup. Quand j'ai rétrogradé, ça passait la marche arrière. Donc alors, le radar est juste ici. Hop. Ouais, ça doit être effectivement une zone de drift. Attention, le radar. Bon, je vais sûrement pas faire un score de ouf. Vous avez atteint votre destination. 197 km/h. Wow. Au moment, je me suis... Attendez, deux étoiles quand même. Bon, voilà. Bon, le milieu, c'est de faire... quand même de faire un 3 étoiles, mais je sais pas combien de kilomètres il me restait, donc on va voir un peu.
Ça a pas l'air d'être une zone de drift. C'est un radar aussi? Ah d'accord, c'est une zone. C'est une zone de... C'est une zone radar en fait, c'est pas vraiment un radar en lui-même. Voilà, si je fais ça, ça va pas faire. Donc le truc, c'est qu'en fait, il faut aller le plus vite possible, faire ce trajet le plus vite possible. Et putain, c'est mieux pour le drift ici. Ouais, c'est ça, aller le plus vite possible à le faire, et du coup, ça calcule la moyenne de kilomètre-heure en fait que vous avez. Ça calcule la moyenne de la vitesse plutôt. Allez, c'est parti, on va essayer. Le problème, c'est qu'il y a des virages assez sinueux, donc c'est ça la difficulté. On va essayer de faire le maximum. Allez. 144 km/h. Est-ce que c'est un bon score? Attention, 2 étoiles. Ah, 3 étoiles, je sais pas. En général, c'est marqué des fois. Bon, on va pas le refaire. On va juste histoire de. Ah, c'est bon, ça va pas compter. C'est juste histoire d'essayer de faire correctement les drifts. Bon, celui-là il était un peu raté. J'aurais bien voulu le faire en un seul coup. Oh, pas mal. Ah, ça y est, le buggy il est là. Il est arrivé. J'ai oublié de drifter cette partie-là d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. On va se quitter là-dessus. J'espère que ça vous aura plu, cette petite... c'est pas vraiment une découverte, mais c'est histoire de vous faire voir un petit peu Forza Horizon 3. Faire quelques courses ensemble et puis vous faire voir un peu les paysages vite fait. Il y aura d'autres vidéos, ne vous inquiétez pas. Je sais pas quand, mais il y en aura d'autres. J'en ferai. Il n'y a pas de souci là-dessus. Surtout que c'est un jeu que je vais jouer beaucoup en ce moment, malgré que il y a certains jeux qui arrivent en ce moment qui sont assez gros. Donc il va falloir que j'essaye de jongler entre les titres des jeux pour pouvoir vous proposer des vidéos qui vous plaisent. Pour avancer aussi de mon côté, hein, parce qu'il faut peut-être que j'avance un peu. Bref, une fois de plus je m'éternise, comme d'habitude. Wow, j'ai entendu et tout. Wow, j'ai cru que ça faisait domino le truc. Wow. Donc on se retrouve pour une chaîne... je sais même plus parler. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, c'était Cross85 pour PlayerTwitter. Allez, salut. Everybody will be busy, so don't feel alright. Everybody will be doing it right. Everybody will be.